Salut à tous, c'est Okonei et bienvenue sur League of Legends pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content parce que le replay remarche et je peux enfin continuer la série où je coach des abonnés. Donc petite parenthèse avant que la vidéo commence, si vous voulez participer, allez sur le Discord le week-end, surtout le week-end. Vous allez aller dans le salon Coaching LOL, vous mettez votre pseudo, on voit ça ensemble, on peut faire du vocal, moi je peux vous parler même si vous n'avez pas de micro, vous pouvez écrire, ça passe très bien, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans cette vidéo. Et donc voilà, c'est ça. Soyez toujours aussi indulgents avec les gens que je coach, même si ce joueur va être extraordinaire, vous allez le voir, il fait une partie de folie. Et c'est ça. Donc si vous voulez participer, rendez-vous le week-end et je vous souhaite une bonne vidéo. Niveau phase de lane, du coup, fais attention aux bombes de Xillian. Je vais arrêter de dire Xillian pour toi, t'inquiète pas. De Xillian, du coup, tu fais attention. Parce que dès que tu seras à portée pour aller chercher un sbire, il va vouloir lancer une bombe. Donc fais attention à ça. Niveau 2, il va pouvoir t'en lancer 2. Et te stun. Ça va faire énormément de dommages. Caitlyn va pouvoir mettre une trappe en dessous de toi et t'es mort. Donc tu fais extrêmement attention à ça. Parce que ton support ne va pas vraiment pouvoir t'aider, niveau shield ou quoi que ce soit. Elle va juste pouvoir mettre de la pression et faire tes dommages. Mais tu vas peut-être te faire one shot. Donc fais extrêmement attention à ça. Ok, l'invade, comment elle se passe? Il y a Alistar qui limite half, qui en a stun, ok, ton Warwick est presque mort. Ok, c'était ultra chaud. Est-ce qu'il va flash? Le Alistar a flash. Ok, oh, c'est bien parti là, et le first blood pour UMF, nickel, nickel, nickel ça. Donc là, tu réfléchis pas, tu back, c'est parfait, très bonne décision. T'aurais peut-être dû te retirer un petit peu plus, à moins que t'aies la vision, non, c'était parfait. Donc là, t'as eu un super réflexe, t'as back pour acheter soit une épée longue, quoi que ce soit. T'es parti sur... merde, c'est quoi ma touche? Parfait, épée longue, tu es un putain de génie. Ça peut aller très très vite, hein. Ça peut aller très très vite, elle pose un piège sur toi. Quand tu te fais stun, donc ça peut aller très vite. Voilà, tu viens de te prendre deux bombes, là ça fait très mal. Ok, là t'as un Q possible. Voilà, parfait, mais si tu joues comme un dieu. T'as mis Caitlyn super low, elle a utilisé sa seule potion. Toi, il t'en reste une. La Xyra, je sais pas pourquoi elle joue aussi loin, elle doit mettre de la pression. Qu'est-ce que fait la Xyra? Qu'est-ce qu'elle fait aussi loin? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que la Xyra fait, la Xyra fait en fait. Encore un super Q que tu viens de nous proposer ici. Ton farm est très bien aussi. La Xyra a pris ton CS malheureusement. Elle se prend les trappes. Ouais, il y a eu de la distance. Je comprends toujours pas comment la Xyra est en train de jouer. Hein. Tu es littéralement un V2. Hein. C'est très bien ça, très bien. Le bon trade. La Xyra qui t'empêche en fait de limite bouger en fait. T'as failli prendre les dommages de Caitlyn pour rien. À cause de Xyra. Ouais, t'as vraiment un support très très gênant en fait. C'est très très étrange. Ok, t'as eu le canon. Beau last hit, hein, tu nous proposes du très bon last hit. Tes Q, tu les mets à la perfection. C'est ouf. Ah oui, donc du coup, t'as pris pour le 10% de cooldown. Moi, ce que j'ai cru voir, c'est qu'ils prennent l'autre objet de la Yumu en fait. Parce que t'as de la... Parce que la CDR, en fait, on s'en fout un petit peu dans le very early game. On s'en fout de la CDR. Parce que là, t'aurais eu... t'aurais de la létalité. Donc de la pénétration d'armure. Donc t'aurais fait plus mal. Parce que là, ta CDR... Après, je connais pas les prix des objets. Donc peut-être que c'était moins cher, en effet. Ah, quoique non, t'as eu l'épée longue en plus. Donc t'aurais pu prendre le... Donc voilà, tu t'es peut-être trompé d'objet là. Après, c'est pas très gênant. Encore un E très bien posé. Ouais, faut faire attention aux bombes. C'était très intelligent de pas y aller ici. Parce que tu te ferais stun par le Xillian, tu te ferais trap, tu serais probablement mort. Donc c'est intelligent d'attendre les CD. Donc là ton farm, j'ai absolument rien à dire. C'est assez even des deux côtés d'ailleurs. 140. Ouais, t'as pas assez pour acheter l'autre objet. Ce dive est très dangereux, voilà, parce que Xillian a son niveau 6. T'as pas voulu trop de commit, c'est très bien. T'attends le... Oh là là. Ah, l'ultime un petit peu foiré. Un petit Q et tu flash. Ah, c'était spécial. C'était spécial. Oh, l'ultime, j'ai trop aimé. Le mec, il nous propose une putain de game de ouf. Ah, c'était intéressant. Ok, non, ok, d'accord. Il y a ton équipe qui arrive, c'est très intelligent. Là, essaye de mettre un E quelque part pour les ralentir. Mets ton ultime. Parfait. Très très beau ultime.
Et bah c'est nickel. Bravo, très bon bait. C'est super bien joué. Là en fait, quand vous faites un double kill au bot et que vous êtes 4, go go le dragon. Là ton équipe, alors la Harry, je sais pas où est-ce, comment elle a fait pour pas se faire voir. Ok, elle a raté tous ses trucs, mais d'un côté t'as super bien dodge. Super, ça c'était magnifique. Tu t'es pas commit, t'as essayé de dodge des trucs. Franchement, tu joues tellement bien. Là en ce moment, je trouve pas vraiment d'erreur à te reprocher. Là ils font le dragon, t'as pas vraiment besoin de les aider. T'as raison de push la wave, elle va perdre du farm comme ça, c'est très très bien joué. Donc là vous avez le dragon, vous êtes en train de dominer la bot lane. Il vous faut cette première tour à la bot lane pour aller au mid et détruire toute la game. Parce que là en fait, votre teamfight est juste incroyablement fort. Avec juste vous deux, Zira et MF, vous pouvez retourner tout un teamfight ou l'engager ou détruire tout avec vos deux ultimes. Ouais, malheureusement là en fait c'est vraiment, t'as Zira vrai, tu peux pas faire moins bien qu'elle en fait presque. Ok, ton équipe est là, t'as vraiment bien bait. Très bien joué. Ah là là, le Warwick a raté son ultime, c'est pas très gênant. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le Alistar? Mais le Alistar normalement a beaucoup trop de CC. Ok, il a même pas Q. Oh oh, ça dive, il a plus son ult je crois. Attends, est-ce qu'il a son ult le Echo? Est-ce qu'il peut se permettre de faire ça? Oui, il pouvait se permettre de faire ça. Ça c'est peut-être la T1. C'est peut-être la T1 bot. C'est super important de prendre la T1. Parce qu'en plus c'est la première tourelle. Ah, la Harry a super bien joué. La Harry a trop bien joué, elle est partie prendre la tourelle au lieu d'aller aider. Et du coup vous allez pas pouvoir prendre la T1, ok d'accord. Donc ils ont eu le bonus first bot de tourelle. Ça fait mal, parce que 400 gold pour Harry. On va le ressentir dans le one shot qu'elle va te proposer bientôt. Là en fait, je sais même pas si tu devrais partir sur coup près noir en fait. Je crois que vous avez assez de dommages. Et le problème c'est que là, la Harry a eu un kill plus le first bot Torel. Donc tu vas peut-être te faire tuer très rapidement. T'as pris de la résonance magique. Super, super bien vu. Tu as compris que là, tu as besoin d'esquiver une de ces bombes aux Xilean. Aux Xilean, sorry. Mais tu joues bien. Qu'est-ce que tu fous, Silver? Même bronze 1, là, d'ailleurs. Concentre-toi sur un rôle. Ta MF, tu la joues super bien, tu devrais monter. Il y a un monstre, vite fait, tu peux mettre un Q, tu le fais. Oula. Oula, d'accord. Oh, il est vénère. Oh là là, d'accord. Tu laisses aucune possibilité à la Caitlyn, tu la chase. C'est plutôt bien joué. Ton ultime... Oh, t'es tombé dans la trappe. Ça, c'est vraiment pas de chance. T'avais flash? C'est très dommage que... Non, là, tu te commites beaucoup trop. Là, tu te commites beaucoup trop. En plus, t'as aucune vision. Ouais, là, faut vraiment courir. Je comprends que t'es à 9-1. Je comprends que tu veux jouer. Oh, l'ultime. Bien placé. Malheureusement, tu n'avais pas ton bouclier. Et tu t'es fait atomiser la gueule par Alistar. Donc là, il faut absolument grouper. Tu es fed. Ne reste pas toute seule. Toute seule. Toute seule. Ne reste pas tout seul. Tu es un garçon. Ne reste pas tout seul parce que Panthéon peut te catch, Harry peut te ult et te catch. Même Caitlyn de très loin peut te ult aussi. Donc là il faut absolument grouper avec ton équipe pendant que vous avez l'avantage. Pas besoin de trop la game. C'est pas vraiment à toi de split. Là il faut vraiment pas que tu essaies de faire du 1v1. Là ton potentiel c'est vraiment de faire un pentakill en fait. Ok, très bien esquivé le bisou. Le Q, ok. Et là, tu te retrouves toute seule. Le Alistar a raté son combo. Tu as assez bien sidestep, tu me diras. Et là, c'est la mort. Voilà, il faut pas rester seul. Il faut vraiment quitter ton équipe. Leur équipe est trop forte pour te faire catch. Même si tu es à 10-2, ça reste Harry. Et tu es une MF. Donc, tu peux même pas la ult parce qu'elle va te bisou. Et elle va même pouvoir ult pour esquiver ton ultime au cas où. Donc, vraiment, reste avec ton équipe. Pas besoin de faire du 1v5. Là, faut jouer autour de toi et si tu n'es pas là, c'est un peu du gâchis. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est sur du baron. Donc là, quand ils font baron, c'est ultra dangereux parce que toi, tu aurais pu R dans le baron en fait. Ok, très bon ult. Donc là, tu viens de massacrer les deux. Super bien joué. Du coup, là, en fait, il y a 3 morts en face. Vous êtes combien? Vous êtes 5. Ok, là, vous avez chase la Caitlyn. La Domingo. Ah, apparemment il y aura du bon flash. Voilà.
Là, il aurait fallu aller. Là, le baron était normalement possible. Hein. Je connais pas les points de vie. Ah, non, vous êtes tous full life en fait. C'était un baron. C'était un baron parce que vous en avez tué 4. Et tu fais extrêmement mal. Là, je comprends pas pourquoi le baron est là. Ok, vous commencez le baron alors que l'MF est pas là. Alors qu'ils sont en vie. Panthéon a peut-être son ultime. Il a son ultime, donc il peut potentiellement venir et vous le voler. Après, tout seul, ça va être un petit peu compliqué. Tu viens d'activer ton bouclier, je sais pas pourquoi. Parce qu'il avait disparaître quand Panthéon va arriver. À moins qu'il vienne te bloquer. Ok, c'était ultra limite. Il a failli. Je suis con. Le Panthéon est pas le jungler, donc c'était un peu stupide pour Panthéon. Mais c'était quand même bien tenté. Donc là, le baron, fallait juste le faire plus tôt. Après, c'est pas ta faute. C'est juste, t'aurais pu peut-être le call. S'ils savent pas ce qu'il faut faire. Mais là, fallait faire bien avant, en fait. Ok, d'accord, t'as activé ton bouclier. Là, ton bouclier, je sais pas trop comment tu l'utilises. Genre, tu l'utilises vraiment pour pas grand-chose. Fais vraiment quand tu vas fight, genre. Ok, là, Harry a complètement foiré. Là, faut quand même faire des dommages. La punir, très bien joué. Là, il y a un Panthéon qui arrive sur toi qui a été boosté. Il va falloir flash quelque part. Ça va être... D'accord. Là, Domingo, tu l'avais call. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Au niveau du stress, t'avais pas beaucoup de temps. Tu voulais rejoindre ton équipe. C'est un flash tout à fait honorable, je trouve. Le Echo qui s'est fait défoncer la gueule. Voilà, là, ils sont engage. Xylan n'a plus de bombe. Là, t'actives ta Yumu et tu fonces dedans et tu ult et c'est fini. Là, t'aurais dû activer ton truc. Allez, petit ult. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Et voilà. Y a pas plus simple. Là, on finit. Parfait. La Caitlyn qui peut... Et voilà, elle a gagné les... Voilà. La game est finie. Nickel. Et je pense que la partie va se finir là-dessus en 16-4-10 pour Miss Fortune. C'était une assez belle partie. Bravo. Bravo à toi. Et bah, je te conseille de jouer Miss Fortune plus souvent. Donc, petit bilan. Petit bilan, ne reste pas seul. Même si tu es super fed, ne reste pas seul. Même une 3-6, Harry va te défoncer. Miss Fortune, c'est pas une Vayne. C'est pas Ezreal, c'est pas des trucs... Parce que c'était très compliqué de faire du 1v1, mais par contre, en teamfight, bah, c'est super fort parce que tu peux pas ignorer la MF. Mais si tu, si tu vas dessus, bah, tu vas te faire protéger par tes alliés. Donc forcément, c'est surtout très important de groupe. Tu fais ton ultime au bon moment. Tes ultimes étaient très bien. Parfois, tu aurais pu le faire un petit peu plus souvent. Mais dans la globalité, c'était très bien joué. Bravo à toi. Donc, je te laisse à tes occupations. Bon jeu, bon Discord, ce que tu veux. Mais c'était génial. Tu m'as proposé du rêve. Donc, à plus tard et bonne journée ou bonne soirée. À toi, Ridlox.